Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, retour de course. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Alors comme d'habitude, j'ai fait mes courses à Netto, j'ai pris 3 bouteilles de marguerite comme ceci au citron vert, pétillant. J'ai repris 20 œufs. J'ai pris un paquet de pâtes, des yaourts. Pour faire des yaourts, dans ma dernière vidéo retour de course, beaucoup de personnes ont rigolé avec ça, des yaourts pour faire des yaourts, et ben ça me fait bien plaisir que vous êtes bien amusés. Voilà, alors j'ai pris un filet de tomates comme ceci pour faire des poêlés, c'est quand même moins cher que sur le marché. Justement, oui, vous verrez pas beaucoup de fruits et légumes parce que le marché a repris dans ma ville, donc je retourne voir mes petits producteurs habituels. Et il y a énormément de prix, c'est très intéressant par rapport au confinement. Je retrouve un petit peu des fruits et légumes à des prix raisonnables. Donc j'ai acheté beaucoup de courgettes qui étaient à 1 euro le kilo, des aubergines à 1 euro le kilo aussi. Bon, les poivrons étaient à 1,50 €, mais bon, voilà. J'ai pris qu'un seul poivron vert pour ma ratatouille que je compte faire, parce que je compte faire des plats cuisinés pour les congeler pour cet hiver. Oui, je fais la petite fourmi. Donc j'avais oublié complètement de prendre un poivron rouge pour ceci. J'ai pris des bananes, un paquet de jambon de Bayonne avec 6 tranches à l'intérieur. Chose que je ne fais jamais, j'ai pris des steaks hachés. Bon, là c'est 5% de matière grasse, mais je n'achète jamais comme ça. Déjà, je ne mange pas beaucoup de viande, c'est très très rare. Mais je compte faire aussi des légumes farcis. Donc, j'ai pris cette viande là et on verra ce que ça donnera. Et je les congèlerai une fois cuit. Je mettrai tout en paquet sous vide au congélateur pour cet hiver. Allez, on commence par le plus gros. Il n'y a pas grand-chose, comme vous pourrez voir. J'ai repris de la litière pour Maddy. Voilà, tout simplement. On va pousser ça. Oh, c'est lourd, hein. Alors, j'ai pris une boîte de saumon comme ceci, parce que j'avais fait une super recette dans une vidéo, une journée dans mon assiette. Si vous voulez, vous pourrez la voir dans le petit i que je mettrai en haut, à droite ou à gauche de la vidéo. Voilà, c'était super bon. Donc je me suis repris. J'ai pris quelques boîtes de conserve. Alors des petits pois carottes, c'est toujours dans mes habitudes. Des haricots verts. Des flageolets. Des lentilles. J'ai encore pris des petits champignons comme ceci, toujours pour faire les poêlés, avec les tomates que je vous ai montrées tout à l'heure. Hop, on pousse tout ça. J'ai pris un paquet de décaféinés, puisqu'il m'en restait encore. Comme d'habitude, mes compotes sans sucre ajouté. Voilà pour les bol cakes. Je pense que les vraies compotes maison, je les reprendrai cet hiver. Parce que là, il fait très chaud pour aller au marché et prendre une dizaine de kilos de pommes pour pouvoir faire ma compote. C'est très compliqué. J'ai pris ça, c'était dans les produits frais. Je ne l'avais pas vu, il était resté au fond du sac. Des allumettes de bacon fumées. Et des flocons d'avoine complètes. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour ce petit retour de course. Comme je vous avais dit, c'était un petit retour de course. Si vous n'êtes pas abonné, ben, c'est le moment. Allez-y, vous pouvez liker, partager. Ça me ferait vraiment plaisir. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez aimé. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.